Est-ce un badge du bureau? Il a l'air ancien. Pope voudra sûrement l'examiner. C'est aujourd'hui le 28e jour que nous passons à l'intérieur de ce qu'on appelle maintenant l'ancienne maison. C'est Northmore qui insiste sur ce nom. Je suis trop crevé pour lui demander pourquoi. Je dors vraiment mal. De plus, récemment, moi et mon équipe de recherche avons reçu l'ordre d'établir un labo d'observation permanent dans la Fondation. Ce qui veut dire que je vis ici maintenant, que le petit chef de la recherche bien obéissant que Père a toujours désiré. Je passe mes jours à l'analyse de ce pilier étrange où Northmore a trouvé le pistolet. Malgré un certain manque d'enthousiasme initial, que j'avoue, j'ai découvert qu'il y a de nombreux courants d'énergie non aristotéliens qui semblent converger à sa base. L'Intelleric, Chemin du Dragon, l'Indra et les Gueux, quel que soit leur nom, il semble qu'ils passent toujours par ce pilier. J'ai fabriqué quelque chose, un outil à mi-chemin entre talisman et technologie. Un dispositif pour ordonner les jonctions des lignes de force. Enfin, c'est l'idée de base. On verra ce que ça va donner. Je préfère travailler loin du pilier. Je ne suis pas le seul à penser que cette chose nous surveille constamment. Bon, il marche. Mais il refuse d'aller plus haut. Peut-être qu'avec un peu plus de puissance... Passé depuis l'entrée. Northmore nous a ordonné d'effectuer une recherche de tout objet similaire à l'arme de service. Il pense que l'ancienne maison en recèle d'autres. Mais je ne vois pas pourquoi il en est si sûr. Il n'était pas lui-même dernièrement. Il dit sans arrêt qu'il faut rejoindre de plus grandes causes. Et il mentionne fréquemment une pyramide. Après avoir insisté, il a finalement cédé et accepté de me la décrire. Inversée, noire, mathématiquement parfaite.
Étrangement d'ailleurs, Adam et les Odrides m'ont montré de nombreuses peintures de pyramides inversées sur les murs de la grotte. Il doit y avoir une connexion. Mais je ne vois pas laquelle. En tant que forme de symbole occulte, les triangles ne sont pas rares. Cette forme a toujours fait fureur auprès de Flood, Levi, Grohl et tous les autres. Dressés sur leur base, ils représentent souvent stabilité et force. Inversés, balancés sur leur pointe, ils symbolisent conflit et stagnation. Bien sûr, l'orientation n'est qu'une question de perspective. Ils diffèrent si l'on regarde la pyramide du dessus ou alors par en dessous. Northmore affirme regarder la pyramide inversée du dessous. Alors je me demande, y a-t-il quelqu'un situé dessus qui nous regarde ? Je suis bien là, oui ou non? J'ai sauvé le bureau une fois, et je vais recommencer. Thank you.
Une autre gravure. Comme celle qui m'a permis de venir ici. Ça pourrait être ça, la serrure ou la clé dont le comité m'a parlé. Je n'ai fait que mon travail. Aiden, la directrice Faden, rien ne l'arrête. Jessie, hey! Emily, comment est-elle arrivée ici? Mais qu'est-ce que vous faites là, Emily? Quoi? Mais c'est vous qui m'avez appelée, vous vous souvenez? Je suis à peu près sûre que non. Non, effectivement. Mais je veux dire, je me souviens que vous aviez vraiment besoin que je vienne. Vous m'avez même montré comment entrer. On va dire que c'est de la synchronicité, et se mettre au boulot, hein? Alors elle, rien ne la dérange, hein? Le comité m'a convoqué ici pour régler un problème. Le plan astral est... En collision avec notre monde, je sais. Fascinant, non? Je n'avais jamais imaginé que le plan astral pouvait être un volume physique en expansion hors de ses limites dimensionnelles. La faille est circonscrite à cette zone, mais sa croissance est régulière. Avec assez de temps, elle engloutira sans doute le bureau entier, voire même encore plus. On va essayer d'éviter ça. Le comité m'a demandé de réparer le clou en démantelant 4 serrures dans le plan astral. C'est drôle, il semble beaucoup moins morcelé qu'avant. Ça pourrait être dû à la loi d'échange inverse.
Pour chaque composant associé que vous retirez, ce clou se reconstruit. Ou une variation du principe d'antisympathie. Vous en faites pas, j'y réfléchis. Vous avez remarqué toute l'infrastructure du bureau ? On dirait qu'une équipe de recherche a occupé les lieux un certain temps. Vous pensez que Darling était au courant ? C'est plus que probable. Tant que j'y pense. Avez-vous vu Marshall ? Elle m'a contactée par la hotline, mais je l'ai vue se balader ensuite. Je ne l'ai pas vue, non. La hotline ne se connecte qu'aux entités extraplanaires. Ou aux personnes décédées. Mais Marshall a prouvé à maintes reprises qu'elle est une survivante. C'est exactement ce que j'ai pensé. Peu importe, j'ai fait une étude sur les minéraux qui poussent ici. Vous avez remarqué qu'ils maintiennent constamment une forme prédéterminée. Il s'agit peut-être d'une mémoire de forme, ou alors ils préfèrent garder une forme particulière. Le temps nous est compté, Émilie. Je dois sceller la faille astrale avant qu'elle n'engloutisse l'ancienne maison. Voyez donc ce que vous pouvez trouver sur le clou pour le moment. Et envoyez une escouade à la recherche de Marshall. Elle a peut-être des ennuis. Compris, Jessie. Et si vous voyez des choses insolites, surtout notez bien tous les détails.
Cette zone semble plus récente. Elle viendrait des étages supérieurs. Ici la directrice Faden. Envoyez un soldat à cet emplacement. Les renforts sont arrivés.
Mon royaume pour un plombier. Heureusement que personne n'a entendu ça. Objet altéré détecté dans la baie de transport. Accès interdit en vertu de la procédure de sécurité. Pas de courant, évidemment. Alors voici l'objet altéré. Pas l'air trop dangereux. Je devrais recruter quelqu'un qui construit de plus petites machines. Aucun matériau altéré détecté dans la zone. Entrée du personnel autorisée. Le bureau vous souhaite une très bonne journée.
s'emparer du clou. Fin du monde. Donc, je dois pas laisser Loïs s'emparer du clou. Pas de problème. C'est ma spécialité. Une autre gravure. Allô ? Comité, vous êtes là ? Ok, mais enfin, qu'est-ce qui se passe ici ? Quoi ? Je suis de retour ici ? C'était pas mon idée, ça. Prenez-vous-en à l'œil. Formateur ? Vous parlez de l'œil ? Je sais rien de lui. Mais lui, il me donne quelque chose que vous refusez. Je n'aime pas que vous décidiez de ce que je peux avoir ou pas. Je commence à en avoir marre d'être trimballée dans le plan astral. Bon, vous m'entendez ? Je veux des réponses à mes questions !
Salut. C'était sympa de me donner quelque chose que le comité m'avait refusé. Mais qu'est-ce que vous y gagnez ? Donc je dois juste croire que vous êtes particulièrement charitable. Quoi que vous soyez. Fin ? Ouais. Je dirais carrément pas non à un sandwich ou quelque chose. C'est pas ce que vous vouliez dire, si ? Vous faites partie du comité ? Ou vous en avez fait partie ? D'accord. Vous avez quitté le comité parce qu'il vous accusait de... Oh, j'ai l'impression de jouer aux charades. Je dois secourir quelqu'un ? Je sais pas à quoi je m'attendais. Écoutez, c'était un vrai plaisir, mais... je dois y aller. Mais merci pour le coup de main, et... prenez soin de vous. Qu'est-ce que le formateur essayait de me dire à propos du comité ? Et surtout, de faire confiance. Alors, à qui faut-il se fier ? Antithèse A, B ou aucune ? Maintenant le cap, pour le moment. C'est sûr, le bureau est en danger. Et on sait aussi qu'il faut réparer le clou. Je ne laisserai pas le plan astral bousiller la réalité. Sens.
reste dans le plan astral. Rappel, le bureau n'est pas doté de fenêtres. Si vous en remarquez une, fermez immédiatement les yeux et dirigez-vous vers l'abri le plus proche. Vous êtes autorisé à vous bander les yeux avec tout vêtement à porter. Tout entorse au code vestimentaire résultant sera excusé. Merci de votre attention.
séjour depuis l'entrée. Il y a un changement. Hercule et Mabel, enfin, les îles 3 et 11 ont attaqué mon équipe aujourd'hui. Il y a eu 2 victimes. 3, si l'on compte Mabel. Le résultat, c'est que nous devons abandonner la fondation. Notre mort a ordonné de transférer nos ressources dans les étages supérieurs. Mes points de contrôle nous permettent d'aller et venir sans danger depuis les rues de New York. J'ai peut-être oublié de le mentionner dans les messages précédents. J'ai tellement à faire. À l'aide du dispositif que j'ai créé, les points de contrôle ont été établis à travers toute l'ancienne maison. Navré de sembler si enthousiaste, c'est juste. Il y a quelques mois, j'aurais sauté de joie, rien qu'à l'idée de quitter la fondation. Mais je réalise désormais combien je m'y suis attaché. Il y a quelque chose d'indicible enfoui ici, qui est plus profond encore que cette présence. Accueillant. Je sens qu'il a besoin de moi. Je n'irai pas. Je refuse. Maintenant, on sera furieux, mais tant pis. Je commence à le voir tel qu'il est, irascible et impuissant. Une pâle imitation de mon père.
Voilà la gravure. Change de ton tout d'un coup. En fait, peu importe cette histoire de comité et de formateur. Qu'ils règlent leurs affaires entre eux, après tout, tant qu'ils ne se mettent pas sur mon chemin, ça m'ira. C'était plutôt le genre de Trench d'être obsédé par ce genre de choses. Moi, ce que j'ai, c'est mon intuition. Et toi?
bravade infiniment. Marshall a fait exploser le clou ? Merde, mais à quoi elle pensait ? Ici la directrice. J'ai immédiatement besoin d'un soldat. C'est cool de voir une directrice sur le terrain. Très bien. Ça, c'est le dernier. Je n'arrive pas à croire que l'idée de Marshall était de faire exploser le clou. Dire qu'elle pensait que je n'étais pas prête.
pourtant bien réparé, non? La situation devait s'améliorer, pas empirer. Emily saura. J'espère.